Bon, alors donc, 27 novembre, 17h, à NR, occupation. Emmanuel, raconte-nous un peu qu'est-ce qu'on fout ici. Eh ben, on est allé bloquer le CA du CNRS ce matin, on a essayé, ils nous ont enfumé, on peut le dire, puisqu'ils ont changé deux fois le lieu, sans nous prévenir. On était un peu énervés et on s'est déplacé en manifestation vers un endroit qui est le symbole des problèmes qu'on a aujourd'hui dans la recherche, en particulier en ce qui concerne le pilotage et la précarité, qui est l'ANR. Et puis comme ils nous ont laissé L'ANR pour L'ANR. Qui veut dire L'Agence Nationale pour la Recherche. Et comme ils ont laissé rentrer, on est resté et on en profite pour essayer de faire entendre nos revendications en termes de titularisation. Bon alors, je vois que tu es équipé. Je suis équipé. Tu penses que c'est combien de temps? Ah ben, moi je pense passer la nuit ici. C'est formidable. L'ambiance est bonne. L'ambiance est sympa, on a du jus d'orange et du carpaccio, c'est super. Super, parfait. D'accord, merci. 7h, ça occupe toujours. Vidéo. Alors Maud. J'ai rien à dire, moi je parle pas. Tu occupes? Tu t'occupes? Alors, quatrième nuit. Ouais, non mais voilà, que de l'eau. J'arrive même plus à verser l'eau dans mon verre, là j'en fous partout. La grève de la faim continue. La précarité, merde, tu vois. Pour avoir un Uno pour jouer au chat. Moi je préfère un belote. Sixième heure sans pisser. Ouais, c'est dur, c'est bien, tu vois. Surtout après deux cafés. On est pas mal barré là. Mais tu m'as pas dit que c'est cette. On est à la NR. L'occupation continue. Cédric. On ne voit pas. Déclaration. Très content d'être chez mon employeur. Ah oui, pareil. Pas tout à fait. Oui, postdoc à NR. Enfin, IE à NR, parce qu'en gros. On donne pas le fric des postdocs, mais on paye en IE. D'accord. En IR, ça dépend. Donc tu es IE à NR? Je suis IE à NR. Peut-être qu'on pourrait rentrer et t'augmenter. Ouais. Et je suis la NR OGM qui n'existe plus d'ailleurs, sachant que les OGM ne servent à rien, c'est bien connu. Mais en gros, les ANR OGM, le fonds financement ANR OGM n'existe plus depuis cette année. Voilà. Donc tu es payé comment? Donc là, je suis payé par la fin du programme ANR OGM. Disparu, en fait. Donc tu disparu. Es, donc, tu en es gros, payé par un programme disparu. Je suis payé par un programme disparu. Voilà. Ah, payé par une relique. Ouais. Donc, là, je viens de passer ma thèse, mais ma quatrième année de thèse, c'était financée en libéralité et par la chancellerie des universités de Paris. Alors, c'est interdit depuis 2 ans. Et c'était au moment où on discernait les bourses, c'était Valérie Pécresse qui était là, voilà, toute belle, toute contente. Elle n'a pas voulu discerner les bourses, mais elle est au courant quand même. Donc c'est totalement cautionné, alors que c'est interdit depuis 2 ans. Donc tu es sur un contrat comme ça depuis combien de temps? Bah là, ça y est, j'ai fini, j'ai passé ma thèse. Donc là, je suis sur une vacation, en attente de on ne sait pas quoi. De son RMI. De mon RMI, exactement, vu que j'ai pas droit aux ACDI. 4 ans en libéralité. À l'ERSM. Alors que c'est interdit depuis 2 ans. Quelle discipline? Génétique. Donc génétique humaine. Voilà. Non, c'est tout ce qui n'est pas appliqué à l'homme ne sert à rien de toute façon. C'est le ministère qui appartient à l'État. Elle extrait vraiment des trucs qu'on a dit. En revanche, que le gars de BFM va sortir. Bon, salut Bertrand. Oui, dis-nous en une minute. Nous sommes venus dire tout notre amour que nous avions pour cette institution grandiose que, voilà, dont nous n'avions osé rêver. Et on a organisé ce happening, en fait, où des dizaines de chercheurs sont venus dire leur souhait, leur envie de continuer à déposer des projets, à employer toujours plus de jeunes chercheurs. Voilà,
bon, ils aimeraient bien quand même qu'il y ait un annuaire des anciens jeunes chercheurs. Voilà, il y a quand même des demandes très très concrètes. Nous sommes pragmatiques et nous souhaitons qu'un annuaire soit constitué des anciens jeunes chercheurs, peut-être sur Facebook, de manière à pouvoir les contacter plus régulièrement. Voilà, mais nous sommes venus dire notre amour. Voilà des revendications claires. Très claires. Madame ANR. Un petit souci. Le vitre. Cassé. Ça fait à peu près 9. Moi, tout à fait 9. Ouais, ça fait 50. Ça fait cassé. Non, mais 50, ça fait. Nous, ça. Il y a un petit souci. Voilà le dégât produit par cette occupation.